Bonne question. Bah déjà, j'en fais pas beaucoup. Je me détends au lieu de faire du sport, quoi. Le foot, peut-être? Shy Maestro Quartet, je crois, à Flagey. C'était il y a pas longtemps. Ça, c'était quand même incroyable. Un choral de Bach. Nun kommt der Heidenheiland, ça s'appelle. C'est un choral pour l'orgue comme ça et je peux pas l'oublier, quoi. Village Vanguard. Radiohead. J'ai bien aimé A Moon-Shaped Pool. Moi, j'aimerais bien jouer à Flagey une fois. Ouais, ça serait super. Jeff Ballard. Bah, il y en a quelques-unes. J'ai eu une leçon avec Shy Maestro qui m'a beaucoup marqué. Mais aussi de rencontrer Daniel Yonkers et de jouer beaucoup avec lui. Genre, on a réussi à cultiver une langue musicale ensemble qui m'a beaucoup, beaucoup marqué, je crois. Ouais. Jouer en trio avec Larry Grenadier et Jorge Rossi, ça serait quand même pas mal, ouais. Ouais. Blue Train de Coltrane. Reverb. Mineur. Triade. Comme ça. Mi bémol. D'abord la tierce dans la basse, après la quinte dans la basse, et après la root position. Nobody else but me. Ouais. Comment on dit monkey en français? Un singe. Ouais, je serais un singe. Silence. Je serais plutôt un silence qu'un mot, je crois, en général. Ouais. Je serais Nils Henning Ørsted Pedersen, je crois. L'archipel. Tom York. Un petit festival. On connaît pas. Où il y a genre 200 personnes. Dans un champ comme ça, quelque part, où il y a pas trop de gens. Ouais. Ben, des cheveux déjà. Frank Zappa. Piano. À la maison. Keith Jarrett. Accompagné en solo. Instrument à vent. Saxophone. Ténor. Jeu de plateau. Duke Ellington. 5 minutes en avance. Non, j'étais là à 40, mais j'étais à la mauvaise porte. C'était pour ça. Soir. Clearly.